Bonjour et bienvenue à tous avec mes cheveux que je viens de laver et sortir du sèche-cheveux, donc un petit peu farfelu. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, je vais ouvrir la Look Fantastic sans savoir qu'est-ce que c'est. Donc j'étais à la boîte à lettres, j'ai ouvert le gros carton là parce que ça fait mal avec mes gros ongles, donc j'aurais souffert d'avant vous. Et voilà, donc on va découvrir ça. Donc là, je découvre que c'est une couleur bleue pastel au ciel. Bon, on l'a déjà. Je crois que cette couleur, on l'a déjà eue. Donc je vais ouvrir. Tada! Et tchoup! Il y a un autre collier là. Donc ça se présente comme toujours. Un papier soie avec les initiales de la Look Fantastic. Et hop là, je ouvre. Et comme d'habitude, ça sent super bon l'intérieur. Waouh, plein de petites choses. Waouh, waouh, waouh. Bon, déjà, je vois un truc étrange là. Ça, on n'a jamais eu. Donc, regardez, on prend comme ça avec les doigts. Et donc, ça ressemble un petit peu à les choses pour nettoyer les pinceaux en fait. Donc, on peut l'utiliser pour ça. Et donc, il y a des petits pics. Il y a un gros pic, mais c'est comme un pad, comme un disque de maquillon en coton, c'est de cette taille là. Et donc c'est marqué que c'est pour l'exfoliation en douceur. Donc il est en silicone et c'est de la marque, si je ne m'aventure pas, c'est marqué le Vintage Cosmetic Company, c'est marqué là. Voilà, ça c'est pour le premier. Donc ici c'est marqué laver à l'eau chaude et voilà, exfolier. Ouh là là, mon anglais, ça se perd, hein. Bon, j'ai oublié. Qu'on le pratique pas, voilà. Alors, deuxième produit. Je vois un produit qu'on a déjà eu. Dis donc, ils sont frais, hein. Dis donc, pourtant, il fait soleil aujourd'hui. De la boîte à lettres, il n'y avait pas grand chose. Ah, c'est marrant ça. Avec le téléphone, on reçoit même les notifications des messages de la famille. Donc, ici, on l'a déjà eu. Donc, c'est un peeling. Donc, un masque à peeling. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà une que je n'ai pas utilisée. Et donc, c'est aux acides des fruits, si je me souviens bien. Et donc, il est transparent. On le pose, il devient rouge. Bon, au moins, en tout cas, moi, je deviens rouge parce que j'ai la peau sensible. Tout le que c'est acide des fruits, tout ça, après, je deviens tout rouge. Et donc, voilà. Voilà pour de la marque. Alors, quelle marque c'est? Est-ce que c'est marqué Peeling Mask, Peel Mask, Eco King? Je ne sais pas qu'est-ce que. Bon, je vous le montre comme ça. Vous verrez bien. On l'a déjà eu. Et donc, la contenance, c'est 15 ml. Mais je vais vous dire que je l'utilise qu'une fois. Et en fait, je l'ai encore. Donc, 15 ml, c'est beaucoup quand même. Donc, deuxième produit. Après, on a un watermelon pastèque. Un baume pour les lèvres. Ah, c'est bien ça. Bon. Bon, je vais l'ouvrir là. Si je peux. Parce que c'est joli d'avoir des bons ongles, mais c'est un peu handicapé qu'on ne sait pas les utiliser. Ah oui, ça sent bon. Ça sent la pastèque. Oui, il a le goût de cire. Après, la petite roulette, il est trop minuscule, donc pour bien l'avoir en main, ça aurait été mieux et plus. Plus grand, mais bon, c'est parfait. Parce que contenance 4,25 g, il est fait d'origine naturelle, 100% cire d'abeille. Donc c'est la marque Burtock Beans. De toute façon, la boîte, la Look Fantastic, ça vient de l'Angleterre, donc forcément, hein, tout c'est en anglais. Voilà, et c'est des produits anglais souvent.
Souvent, je pense que tout. Hein. Après, qu'est-ce que je sors? Donc, on a déjà 1, 2, 3. Celui-là, c'est le quatrième produit. Donc, c'est un mini Travels. Et donc, combien de contenances il y a ici? Ah oui, il était derrière. 15 ml. Ah bah non, c'est la foire, hein, le 15 ml. Donc c'est marqué confort, hydratation. Donc c'est une crème en forme de gel, 24 heures. Si c'est en gel, donc la marque c'est Comfort Zone. Alors apparemment ici, je vais l'ouvrir. 15 ml. Bah, et elle pendoncule là. Aïe. Je sais pas comment vous faites là avec les ongles comme ça là. Il faut apprendre. Moi, le premier jour, j'arrivais même pas à le même magasinier. Alors, on va regarder. Ah, c'est blanche. Étrange. Parce que moi, quand c'est gel, pour moi, c'est transparent. Mais bon. Il a une petite. Bah, je peux pas le dire s'il y a un petit parfum en fait. Je vais sentir carrément aussi. Ouais, un petit peu. Oh. Ça sent bon. Mais dans la main, évidemment, j'avais déjà des autres parfums, donc je pouvais pas. Ça s'étale bien. Ah oui, après. Ça sent plus fort qu'on frotte après. On sent bien la peau douce. Ah oui. Ça sent bien la peau douce. Après, pour voir s'il hydrate bien. Bah après, il faut faire comme ça hein, pour voir. Si ça reste le pli pas trop longtemps, c'est que ça hydrate. Ah oui, ça laisse très doux. Bon, je le testerai sur mon visage quand il y aura 3, 1, 2 et 3 petits boutons qui partiront. Parce que moi, quand j'ai des boutons, je ne mets pas des crèmes qui ne viennent pas de la pharmacie dans mon visage. Toujours des petits problèmes. Donc, il y a toujours ces petits farfelus là qui partent à la poubelle directe. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça c'est bien de le garder, vous savez, le truc pour l'humidité. Parce qu'on peut le mettre dans l'armoire à chaussures. Vous voyez les chaussures qui maintiennent de l'humidité tout le temps. Vous mettez ça dans votre botte, vos chaussures que vous ne mettez pas souvent. Et voilà, et ça conserve bien. Bon, 1, 2, 3, 4. On passe au cinquième produit. Cinquième produit. Soothing Hand Cream for Dry. Ok. C'est une crème pour les mains secs. Parfait. C'est un autre produit que je viens d'utiliser. Donc, c'est un produit vegan. Et donc, pas testé sur les animaux. C'est marqué ici, donc, de la marque This Work, je suppose que c'est ça la marque. Je ne sais jamais si c'est ça, ça. Donc, ça, Street Check Game. Ah non, non, voilà. Oui. C'est ça la marque, ici. Ok, c'est 98% des produits naturels. Ça calme. Calme. Pourquoi il dit ça calme l'esprit? Bon. Ok, il y a des beurres de karité là. Vitamine E. Bah, c'est bien. Allez, hop là. On va mettre. Ah, c'est bien, fermé. Et donc, est-ce que c'est... Oui. On est handicapé, je veux dire. Déjà, pour taper au clavier de l'ordinateur, je fais ça. Clic, 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 avec l'ongle carrément. Bon, j'arrive pas. Sinon, il faut faire un petit trou avec l'ongle. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Bon. Et si j'appuie fort? Non. Bon, j'arrive pas. Et si je fais avec les dents? N'y arrive pas non plus. Bon, il faut apprendre à manier ses ongles. Bon, une crème de main. Très bien. Et donc, 30 ml. Ah bah, c'est parfait. Ça va durer un petit peu plus de temps. Et comme dernier produit... Donc, le sixième, qu'est-ce que c'est? Kiwi Superfood. Superfood. Food, c'est nourriture. Super, c'est super. Choline, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, choline.
Eye Serum, donc un sérum pour les yeux. Et donc, c'est super food, tout ça que veut dire, super hydratant. Alors, en nourrissant, voilà, c'est ça. Alors, nourrissant, sérum, ouais, voilà. Crème contre. Ah bah, il y a prêt. Mais casse la tête à traduire à l'anglais et c'est marqué en dessous en français. Oh là là. Donc, c'est aussi un produit vegan, dis donc, dans la boîte à Le Fantastique, il y a beaucoup de produits vegan. Et donc, c'est crème au contour des yeux hydratant et rafraîchissant au kiwi. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est un produit de l'Angleterre. Il y a le petit drapeau derrière. Et voilà, on va ouvrir ça. Moi, j'adore tout le que c'est contour des yeux parce que moi, c'est ma zone qui est plus mon cou et mes yeux. Bon, on va dire, ah bah, tout maintenant. Allez, hop là, le contour des lèvres. Mais bon, seulement que le contour des lèvres, on peut les traiter avec les contours des yeux. Donc, c'est bon. Donc, comment ça s'ouvre là parce que c'est scotché partout là. Moi, je casse tout. Je ne m'embête pas. Les boîtes vont à la poubelle. Vraiment. On n'a pas eu ça. Hein. De tous les produits que j'ai reçus, il y a seulement que le masque peeling que j'avais déjà eu. Bon, on verra ça. Bon, allez. Il y en a marre. Les emballages. Hop là. Ah non, on l'a pas eu. Ah oui. Ah, j'adore. Bon, on va tester. Hein. Oh là là. Déjà, j'adore. Waouh, une pipette. En plus, il y en a beaucoup là. Ah, 15 ml. 15 ml, c'est le normal pour un produit pour les yeux. Mais dis donc, en flacon, on dirait plus. Bon, ok. Je retire les lunettes. Là, je ne vous vois pas. Déjà, de toute façon, je ne vous vois pas, même avec les lunettes, vous êtes chez vous. Donc, je vais mettre. Ouh là là, mais c'est comme au doulo. Il a l'odeur des kiwis. Mais il faut prêter très attention parce que c'est comme au doulo, ça glisse. Donc, en fin de compte, j'ai mis dans le doigt et plouf, il est parti. Donc, après, je ne mets rien du tout dans mes yeux. Ben, je suis contente hein, de cette boîte. Vraiment, si. Échantée, échantée. Je vais tout utiliser. Déjà, ah, ce soir, tous les jours, une fois par semaine. Elle peeling, je vais essayer, mais il m'en reste encore dès le mois dernier, encore que je ne l'ai pas utilisé non plus. Et ça, 24 heures, hydratation 24 heures. Je vais, ouh, toujours faire du bruit. Je vais l'utiliser la nuit. Et celle-ci, bah, tous les jours, matin, midi et soir pour les mains. Voilà, merci Louis Fantastique. Voilà, des yeux, visage, les mains. Parfait. On va. Ah, maintenant que je vois là. Ah oui, de l'habitude, on a un produit cosmétique, on va dire maquillage. Ah oui, ça devrait être ça cette semaine. Oui, cette semaine, ce mois-ci, parce que c'est une boîte qu'on reçoit tous les mois, une fois par mois. Donc, c'est ça, les deux produits qui ne sont pas des, on va dire, pour le visage. Donc, et voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt! Ciao, ciao!